Le prochain artiste s'appelle Michel. Qui c'est qui a dit ouais comme ça là? Tu t'es couché ta parachute. Alors, il s'appelle Michel et aujourd'hui il va venir en super-héros, mais vous allez voir que super-héros. Je l'ai croisé tout à l'heure, il avait un costume très étrange. En tout cas, moi je vous demande d'accueillir Super Mitch. Bonsoir. Bonsoir. Eh oh, moi je viens comme ça habillé, vous me dites bonsoir. 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 Voilà, vous m'avez reconnu? Non. Je suis la pédale. C'est les autres super-héros qui m'ont surnommé comme ça. Bon, je suis pas rancunier, je leur en veux pas. Araignée à la con. Excusez-moi. Quoi, Spider-Man? Si j'ai vu ton petit frère? Non, pourquoi? Ensuite, ils ont organisé une super-héros partie sans moi. Donc en tant que mec mature, qu'est-ce que je fais? Super parler avec vous, qu'est-ce que je fais? Non, taisez-vous. Alors, qu'est-ce que je fais? J'y vais, j'escalade, 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, salto avant, salto arrière, barbelé, collant qui s'ouvre, couille qui dépasse. Et là, j'aimerais qu'on prenne un petit instant pour visualiser mes couilles. Tout le monde voit mes couilles ou pas? C'est important pour la suite du sketch. Il y en a une, elle dit on les voit déjà, elle est super, regarde pas. Ensuite, j'arrive, ils étaient tous bourrés, les super-héros, notamment un super méchant, le Joker. Bon, en fait, il est bourré, il était déprimé, parce qu'il est au chômage, et pour se faire de l'argent, il fait le clown pour les anniversaires d'enfants. Et avec sa gueule, ça marche pas trop. Mais en même temps, personnellement, je préfère confier mon enfant au Joker plutôt qu'à un curé. Bah oui, je préfère qu'il a peur plutôt qu'il a mal. C'est un petit moment pour celle-là. Et ensuite, il y avait Iron Man. Lui aussi, il était déprimé. Il vient me dire, pourquoi c'est un robot? Ah ben oui, c'est un robot. Le mec, à chaque fois qu'il boit un verre d'eau, il prend un coup de jus, quoi. D'ailleurs, il ne peut pas boire des bières comme toi. Mais je t'en veux pas, parce que le mec qui tire les bières, c'est un super-héros. C'est un barman. Un barman. On n'est pas compte de la tristesse quoi. Lundi soir, en collant sur scène avec des blagues de merde. Allez! Allez! Ensuite, je décide de partir cette soirée parce que ça me déprimait un petit peu. Et je vois un arbre. Mais ce qui est important, c'est le chat que je vois dans l'arbre. Là, je me dis l'aubaine. Je monte dans l'arbre, je sauve le chat, je le donne à mamie, article sur le journal, la pédale. Donc je monte dans l'arbre, et là, c'est pas un chat, mais c'est un putain d'écureuil. Donc qu'est-ce que je fais? S'il vous plaît, qu'est-ce que je fais? Comment? Je pète la gueule! Non, profitez pas pour mater mon cul, hein. En plus j'aime pas ça. Mais renvoie-le! Mais renvoie-le! Merci! Achik, achik, achik! Achik, achik! Allez! Et pour le narguer, je mange sa nourriture. Et là, il y a un mec qui passe et qui dit. Et regardez, il y a la pédale qui bouffe un gland. Et puis, une fois que je me suis remis de ça, j'ai eu mon premier emploi. J'ai été garde du corps. Enfin, garde des corps. J'ai travaillé dans une morgue. Il y avait un silence de mort. Par contre, j'étais à deux doigts de pécho. Mais ça s'est pas fait, elle était trop froide. Là aussi, il y a ces petits moments. Imaginez un proche ou quoi. Et... une fois que je sors, je passe devant la maison de retraite. Parce que oui, la morgue est collée à la maison de retraite pour éviter les frites d'ivraison. Ensuite, j'ai croisé un petit vieux sur la route. Donc je suis un super héros, je l'ai amené aux objets trouvés. Donc si jamais vous allez chercher vos clés, prenez le petit vieux s'il vous plaît. Ça prend de l'engrais pour vos plantes, je sais pas. Là je teste votre niveau d'appréhension. Ensuite... il me fallait un compagnon, je me sentais très seul. Du coup, je suis allé dans un magasin. C'est quoi le meilleur ami de l'homme? Le chien. Le meilleur ami de l'homme? Voilà, donc je vais dans un magasin chinois, une femme, non mais. Je vais dans un magasin chinois et je dis bonjour, est-ce que vous aurez un chien s'il vous plaît?
Il me dit, bien sûr, nature ou forêt. Et ensuite, j'ai envie de conclure en jouant un petit jeu avec vous. Ne vous inquiétez pas, parce que vu tout ce que j'ai dit, petit jeu, ça peut être bizarre, mais non. On va dire qu'il y a un super-héros pour chaque époque, pour chaque période. Et le super-héros de notre période à nous, notre époque, il est comme ça. Donc je vous le dis, on est dans la merde. Merci beaucoup. Tu peux venir, ce petit. Mesdames et messieurs, je sais pas comment ça s'appelle. Mesdames et messieurs, lui. Michel, est-ce que tu as une actu? Oh, génial. Alors, et sinon ailleurs? Parfait. Mesdames et messieurs, le prochain qui va venir, c'est. J'aurai pas d'actu, sinon je serai pas là. Viens là. Non. T'as l'actu? T'en veux pas? Non, vraiment, t'en as pas? Ben, je serai pas là lundi soir. Non, pour le moment, non. Après, si jamais, j'essaierai de vous le dire comment. Non, j'ai un Facebook, c'est Michel Liévin. Donc, ajoutez-moi. Voilà, histoire d'avoir des amis. Bonne soirée à vous, merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci. Merci, Michel. Merci.